tellement de trucs. Les criminels pensent faire en temps de guerre. Au moins, cela ne sont plus une menace pour personne. La rencontre avec cette voyou a dû être une horrible expérience pour Marco. Heureusement que Marco a survécu à sa rencontre avec ces bandits. J'ai de plus en plus d'armes, de plus en plus... Faut que je pense à les échanger aussi. Il n'est plus blessé, c'est trop bien. Par contre, j'ai plus rien du tout. Je peux même pas faire une petite hache. Il y a quelqu'un qui vient. Du bois.
Il me faut du bois à mort. Ils ont retiré toutes les photos sauf celles des petites filles à la plage, je préfère ne pas savoir pourquoi. Comme de l'alcool. Bon.
faire. Ah oui. Il en manque 3. Peut-être que nous n'aurions pas dû voler, mais que pouvions-nous faire d'autre pour survivre? Pauvres gens, je sais qu'il était cruel de prendre leurs provisions, mais c'était une question sur eux. Le vol est-il vraiment la seule moyen d'obtenir ce dont nous avons besoin et les gens que nous volons? Comment vont-ils survivre à présent? Ils sont déjà morts, en fait. Mais c'est pas grave, hein? Vous inquiétez pas, hein? La mort n'est qu'un passage. Je me réjouis que nous ayons pu rendre de leur gentillesse à nos voisins. Nos voisins ont toujours été gentils avec nous, je me réjouis que nous ayons décidé de les aider.